Nang's Reborn. Nang's Reborn. Mouah. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nang's Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Vous pouvez tout simplement vous abonner, c'est gratuit. Cliquez sur s'abonner et cliquez sur la cloche pour activer. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous vous parlerons des clips et des signes sataniques qui les peuplent. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de clips musicaux qui sortent. Mais ce qui est étrange, c'est que dans ces clips, aujourd'hui, on retrouve les signes du diable, même des marques du diable, qu'on voit dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de la fin des temps, tout simplement. Ce livre-là même qui annonce des choses graves. Ça veut dire que tous ces signes que nous allons voir ici, seront là juste seulement pour nous informer que le diable est présent, que Jésus revient aussi. Parce que toutes ces histoires nous montrent qu'effectivement le diable veut être adoré, le diable veut se faire vraiment adorer par les humains qui vont tout simplement se familiariser à tous ces signes au corps, se mettre à les aimer. Parce qu'au moment où vous allez vous mettre à aimer le clip ou encore cette personne qui se trouve dans ce clip qui est censé être même la personne qui présente ces symboles-là, vous serez directement en train d'adorer le diable lui-même avec qui cette personne a fait son pacte. L'impact avec le diable existe, c'est bien réel. Et nous sommes là juste pour vous en parler, pour vous dire, mes frères et sœurs, que nous devons vraiment faire attention. Et tous ces signes que nous allons vous montrer, ce sont les signes les plus utilisés. Il y en a plusieurs, mais nous allons prendre quelques-uns afin que vous puissiez juste voir et faire attention lorsque vous voyez un clip qui vient de sortir. Mes frères et sœurs, faites attention. Vous ne regarderez plus un clip comme avant. Regardons la première image. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner. Maintenant, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et cliquez directement sur j'aime quand vous serez touché par ces informations. Ça va être vraiment chaud. Hein. Et vous verrez des choses vraiment qui font vraiment vous étonner. Nous ne sommes pas là pour vous condamner hein, tous ceux qui représentent ces signes de l'éclipse. Nous sommes là juste pour vous révéler qu'effectivement, je suis le Seigneur et que vous pouvez revenir à lui et abandonner vos mauvaises voies. Voilà, ne les insultez pas, ne les condamnez pas. Nous sommes ici pour apprendre et pour changer nos voix. C'est parti pour la première image. Regardez ça. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui a les seins exposés. On voit une femme qui a les seins exposés. Mais pourquoi? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du business. En fait, dans les clips où le diable est présent, la plupart du temps, on expose la nudité de la femme. Les femmes sont sexy comme ça. Elles sont exactement comme ça. Et les hommes sont pratiquement sexy aussi. On montre leur ventre ou encore leur tablette de chocolat. Les humains appellent ça même être sexy. La sensualité. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus ici. Ce qui nous intéresse, comme on vous l'a dit, ce sont les symboles occultes. Regardez bien ces doigts là. Regardez ce que ces doigts là ont formé. Si vous avez regardé les vidéos analyses précédentes, vous savez que nous avons parlé de ces signes et nous avons bien expliqué ce que ça veut dire. Mais c'est un signe. Ce que vous devez savoir en un mot, c'est un signe qui est utilisé par des satanistes ou des occultistes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on voit un symbole occulte qui apparaît là devant nous et mélangé par une femme qui est habillée de façon sexy avec des seins bien, ça dit ses seins sont bien levés comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Selon vous, pourquoi elle est-elle habillée de façon sexy comme ça? Si elle est habillée de façon sexy comme ça, c'est que c'est pour vous attirer, vous amener à la regarder avec amour, avec désir, comme si vous voulez la dévorer, comme si vous voulez coucher avec elle. Et cet état-là
va permettre à votre subconscient, de d'ouvrir les portes afin que vous puissiez recevoir maintenant quoi? Ces signes qui sont présentés là, ici, comme cette marque là, qui est là aussi pour maudire les gens, qui est utilisée pour maudire les gens. C'est-à-dire que le diable prépare ton esprit, t'attire petit à petit, t'es séduit jusqu'à ce que tu tombes dans le panneau afin qu'il te maudisse avec tous ces histoires. Ça veut dire qu'au travers de la musique aujourd'hui, on peut maudire les gens, on peut se lancer des sorts aux gens. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et le jazz, c'est ce qu'il a, il veut vraiment faire. Il a utilisé la musique comme une, il utilise la musique comme une arme. Vous pouvez ne pas croire, mais posez-vous la question, qu'est-ce que ça signifie? De toutes les façons, nous avons fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez même la regarder pour savoir ce que nous avons dit par rapport à ce signe. Ça, c'est le premier signe occulte le plus utilisé dans le monde. Comme vous l'avez vu, il y en a plusieurs. Regardez maintenant les suivants. Voilà. Un œil fermé, un œil ouvert. Ce signe apparaît beaucoup dans certains cas. Regardez bien comment ça se manifeste. Un œil fermé et un œil ouvert. À première vue, la caméra peut fixer eux. C'est-à-dire dans le clip, vous pouvez voir que la caméra va filmer son visage. Et à un moment donné, un seul œil sera présenté comme ça. Et cet œil-là sera en train de tourner. C'est juste pour nous informer qu'il y a une autre personne qui est là, qui veut voir tout ce qui se passe autour. Et cette personne-là, ce n'est pas Jésus. C'est tout simplement le diable ou un démon qui est présent là. Et ici, cet œil-là est très utilisé. C'était l'appel l'œil qui voit tout. D'autres appellent l'œil de Lucifer. Mais tous ceux qui ont ces yeux-là sont également des sorciers et des satanistes. Et tous ceux qui les représentent sont en train de nous montrer leur appartenance à une secte ou encore une communauté satanique. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça cherche dans la musique? C'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Nous sommes en train de vous dire que le diable veut utiliser la musique comme un instrument pour maudire les gens. Même pour amener les gens à l'adorer. C'est pourquoi on voit toutes ces choses. Vous allez comprendre. C'est vraiment connu. C'est vraiment populaire. Regardez encore. Là, voici un autre signe. Deux autres signes hein, que vous pouvez remarquer ici. Celui-là même qui est là devant nous ici, il a soulevé deux doigts. Il y a deux de ses doigts qui sont levés. Tandis que les autres sont abaissés. Selon vous, que signifient les deux doigts? Les deux doigts levés sont juste là pour nous rappeler que il y a un démon qui a deux cornes et on l'appelle le démon Baphomet. Et ce démon là, tous ceux qui mettent l'occultisme dans la musique, il adore beaucoup parce que ce démon là, quand on adore, il donne du succès. Que vous soyez dans l'industrie de la musique ou même du cinéma, quand vous adorez ce démon, il donne du succès et même parfois là, on oblige les gens à l'adorer. Et c'est ce qui est représenté ici, c'est toujours le même diable. Et ici encore, on peut voir quoi? On peut voir un homme qui a deux doigts collés et les trois autres doigts levés. On en a parlé. Ça s'appelle, c'est du 666 représenté avec les doigts. Et 666, comme on l'a dit en introduction, ça se trouve dans les livres de l'Apocalypse, et là-bas on en parle. Ce sont des signes qui montrent quoi? Qui présentent le temps de la fin et qui préparent les humains à ce qui arrive, franchement. Jésus revient, mes frères et sœurs, de nous voir au Seigneur Christ maintenant et commencer à sortir de ces choses. La parole de Dieu même nous dit de ne pas aimer les choses de ce monde. La parole de Dieu nous dit de ne vous affectionnez pas aux œuvres mauvaises des ténèbres, mais il faut les condamner, il faut les dénoncer. C'est ce que nous sommes en train de faire pour vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Nous ne condamnons pas tous ceux qui sont là. Si vous voyez cette vidéo vous-même, rappelez-vous que c'est mauvais et revenez sur la bonne foi. Regardez ça encore. Là, ça devient clair. C'est le même signe représenté dans un clip par un artiste connu. Regardez ça encore. Encore un signe populaire. Comme vous pouvez le voir, ce n'est plus de la blague, ça devient sérieux. Regardez ça encore. Cet œil caché que nous avons montré précédemment, voici ce qu'il est ici. Voici la réalité de cet œil. Regardez encore ici. Tous ces symboles ou encore ces signes sont représentés la plupart du temps par les célébrités, les personnes connues, les personnes que nous connaissons. C'est à ce moment où vous allez vous poser la question de savoir mais pourquoi. Regardez ça encore. C'est parce que le diable aujourd'hui, il a décidé de toucher la tête des personnes connues et les intoxiquer
par tout ce qui est symbole occulte et les amener à présenter les symboles, mettre les symboles occultes dans les clips comme si c'était des produits qui vendaient ou encore comme s'ils présentaient des articles. Et nous, quand nous allons voir ça, nous allons nous dire que bon, comme la star est représentée cela, peut-être que c'est normal, nous sommes représentés. Or, ce n'est pas normal. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous en armer, pour vous dire, mes frères et sœurs, détrompez-vous. Le diable travaille. Il veut pousser les humains à faire des choses vraiment nulles. Il faut éviter ça. Regardez, là, ça devient clair. Elle est belle, elle est trop jolie. Mais ce symbole occulte sur elle nous montre qu'elle est vraiment une autre femme. Elle n'est plus la même. C'est une femme qui appartient déjà au monde des ténèbres. Pourquoi ? À cause du symbole occulte qu'elle a. C'est exactement la chose même qui nous amène à dire qu'il y a un problème qui ne va pas chez elle. Il faut vraiment prier pour elle qu'elle puisse sortir de ces choses. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, c'est grave. Regardez encore. Là, ça devient connu et ce que nous sommes en train de voir, ce n'est plus caché. Et ces signes-là apparaissent comme des messages cachés ou encore des messages subliminaux dans les clips que nous voyons la plupart du temps. Mes frères et sœurs, c'est la réalité. Et ça, ce n'est pas un jeu. Si tu ne connais pas ces signes, tu vas te laisser tomber, tu vas te laisser arnaquer. Mais c'est la connaissance de ces choses qui va te permettre d'être prudent et de regarder les clips différemment aujourd'hui. Regardez ça encore. Quand vous regardez le clip, ça apparaît comme suit. Mais ce qui est caché, c'est ce qui est derrière. Et derrière, on voit quoi? Un gros œil. Regardez bien. On voit un gros œil juste derrière cette personne qui est là. Et on peut voir que ces ongles sont tellement longs que vous avez l'impression que ce sont les ongles des démons. Et c'est exactement ce que les gens publient aujourd'hui. Et les femmes se mettent à porter des faux ongles et des ongles plus longs que l'ongle sans savoir que ça représente tout simplement les ongles des démons. Ou des démons. C'est comme si les gens étaient habillés comme des démons. Regardez. Waouh. Il y a même des oiseaux, un hibou. Regardez là. Il y a même un hibou. Tous ces symboles occultes là sont utilisés dans le satanisme. Tous ces symboles sont utilisés là. Dans l'occultisme, dans le satanisme. Donc ça veut dire quoi? Les gens ont ramassé tout ce qui se passe dans la sorcellerie là. Pour venir mettre dans la musique, les mettre dans la musique. Pour ensorceler les gens. Pour envoûter les gens. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Regardez encore. Regardez. Quand vous pensez, quand vous parlez, vous pensez que la plupart du temps que c'est la blague. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des zombies. Des gens qui sont là. Est-ce que ces personnes-là, vous êtes sûr que ça va chez elles? Non. Elles ne sont pas normales du tout. Tout simplement parce qu'elles sont possédées. Et celui-là même qui a fait ce clip, il a fait de sorte que les gens puissent recevoir ce clip-là avec amour, avec joie, pour dire « Oh, c'est extraordinaire! Regardez ça, c'est du jamais vu !» Oh, ce qui se passe, c'est que c'est un rituel qui a lieu devant nous, sous nos yeux, et dans un clip qu'on apprécie, on a même chez nous. Mes frères et sœurs, c'est pas facile. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas donné à la croix pour rien, ça a été dur. S'il s'est donné à la croix pour mourir pour nous, c'est pourquoi on parvient à la connaissance aussi de toutes ces choses cachées qui nous poussent à adorer le diable sans le savoir. Si vous êtes dans ces choses, veuillez en sortir. S'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche, si c'est pas encore fait. Et cliquez directement sur j'aime parce que je suis sûr que ça vous a touché, ça vous a étonné. Si vous-même vous avez été touché négativement, ne vous inquiétez pas. Jésus est Seigneur, il va vous aider. Faites des recherches vous-même et vous découvrirez que le diable veut que vous lui apparteniez. Waouh! Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La suite.